Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le camp d'entraînement pour faire une présentation de tous les héros. J'avais déjà fait ça sur ma chaîne, mais c'était quand j'étais niveau 50. Donc là, je suis à peu près niveau 200, 196 exactement. Donc je sais plus de trucs. Et voilà, je sais plus de trucs sur les héros et je pourrais tous vous en dire plus. Donc là, on commence avec Faucheur. Donc Faucheur, c'est un commandant, enfin c'est pas le ouais, c'est le commandant de Black Watch, un peu comme Overwatch mais qui s'occupe un peu des missions sales. Et donc là, bah, je vais vous montrer ses capacités. Donc déjà il tire comme ça avec des espèces de fusils à pompe qui font très 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 mal. Il se régène vu les dégâts qu'il fait de plus en plus. Donc sa première capacité, c'est de se mettre en forme spectrale et que du coup bah vous prenez plus de dégâts, plus personne ne peut vous tuer, mais ça dure 3-4 secondes. La deuxième compétence est le téléporteur, donc comme je viens de le faire, et bah il peut se téléporter partout où il veut, quand il veut, enfin quand il a la capacité forcément. Et voilà. Donc comme ça, donc genre on voit le petit spectre, donc vous appuyez et vous vous retrouvez ici alors que j'étais là-bas. Prochain héros, un héros que j'adore mais particulièrement beaucoup, mais c'est pas mon main, un Genji. Donc il lance des shurikens comme ça, il peut en lancer aussi comme ça. Donc sa première capacité, c'est un dash. Donc c'est très rapide, mais ça fait hop. Et dès que vous tuez une personne, le dash revient. Genre là, tu vois, je vais le tuer avec le dash. Donc je vais utiliser mon dash. Hop, donc je l'ai tué, je récupère. Et hop, pareil là. Et tu peux faire ces enchaînements de ouf avec ça. Et je le perds jamais si je tue tout le temps des gens. Donc, son deuxième ulti. Attends, faut attendre qu'il tire. Enfin, sa deuxième capacité. Donc, ça renvoie tous les dégâts. Enfin, tous les tirs plutôt. Des héros adverses. Enfin, pas tous. Genre celui d'une Zarya quand elle tire comme ça. Ou d'un Winston. Ou d'un Reinhardt. Ça renvoie pas, évidemment. Mais toutes les balles, shuriken, tout ça, ça renvoie. Merde, du coup, son ultime. C'est un dragon, une lame, et ça fait très 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 mal. Et ça tue tout le monde. C'est hyper fort, franchement c'est incroyable. Après vous pouvez enchaîner sur un reflex, et puis hop, vous récupérez, hop, hop, vous enchaînez. C'est magnifique, j'adore ce héros. Héros suivant. Alors là on passe à Macri. Un cowboy comme ça. Sur ce skin, on dirait un détective. Je sais pas, mais pour moi, on dirait un détective. Donc, c'est quelqu'un qui tire plutôt comme ça, enfin, balle par balle. Il peut aussi tirer comme ça. Défarcer son chargeur comme ça. Première capacité. Donc là, vous voyez, les balles sont en bas. À droite, donc je suis à 1 balle sur 6. Je fais ma roulade, je suis à 6 balles sur 6. C'est vraiment... c'est hyper fort. Vraiment... Genre quand vous voulez faire des combos, roulade plus flash plus claque. Et donc le flash, c'est ça. Donc je vais faire un combo. Oh là là, la visée. D'ailleurs, Samy est parti en vacances. Et 360, nos... Bon, ils viennent là. Parce que moi, ça fait longtemps que je les ai tués. Donc, prochain héros. Non, je vous ai pas montré son ulti. Ça se recharge vite. Ah, bah, je l'ai déjà. Ah, oui, c'est vrai. Je ne le perds pas. Je sais pas pourquoi je croyais. Donc, en fait, c'est une sorte de.
Visée auto, on va dire. Un cheat. Donc, on va attendre que lui revienne. Donc, en fait, faut attendre que les têtes sur les joueurs elles se fixent et. Boum! Pouce bleu. Et du coup, bah, ça vise automatiquement. T'attends que j'ai pris la tête de mort sur lui et bah, ça le tue quoi. Ça tue un DPS, ça tue tout le monde. Pharah, c'est un peu un héros apprécié. Mais en fait, tous les héros sont appréciés. À part. Non, y a des héros, ils sont vraiment pas appréciés. Orisa, elle a pas été beaucoup appréciée. Voilà, des héros comme ça quoi. Symmetra, elle a apprécié, mais détesté en même temps. C'est-à-dire qu'elle est bien, mais elle est beaucoup trop cancer et ça tue tout le monde trop vite. Donc Pharah en fait elle peut voler tout simplement. D'abord en fait son arme c'est un lance-roquettes. Qui fait 120 de dégâts je crois. Non. 60 de dégâts ou 40. Entre 60 et 40. Et du coup elle a du carburant pour voler. Elle a une sorte de jetpack qui. Donc déjà ça c'est un mini jetpack qui fait voler. Et hop, ça fait encore plus voler avec un jetpack, un boost du jetpack. Donc, et elle a un espèce de bump un peu comme Lucio. C'est-à-dire, vous allez attaquer quelqu'un qui va du vide et. Au revoir. Il est tombé dans le vide. Mais c'est pas fait que pour ça, honnêtement. Son ultime, c'est. C'est des roquettes qui vont un peu partout. Voilà, donc, c'est place au déluge de la justice. Ça tue, ça fait beaucoup de dégâts et ça tue beaucoup de monde. Et vous voyez là par exemple, on peut aller sur les côtés, sur les bords. J'ai fait une vidéo glitch et avec phare on peut faire un truc de ouf, on peut aller dans le spawn ennemi. C'est incroyable. Ouais, je sortirai, elle est sortie tout à l'heure, je pense. Au moment où vous regardez cette vidéo, je crois qu'elle est sortie. Soldat, c'est bah, c'est le commandant d'Overwatch, pas de Blackwatch. Soldat, il peut courir. Tout simplement, oui, parce que courir est une capacité. Depuis quand, je sais pas, mais c'est une capacité quand même. Donc, il peut tirer comme ça, une mitraille. C'est un héros de base pour commencer, honnêtement. Si vous aimez Call of Duty, vous apprécierez ce héros, mais pas forcément. Tu vois, moi j'apprécie bien ce héros. J'adore Call of Duty, mais j'apprécie bien ce héros et j'ai pas beaucoup joué à Call of Duty dans ma vie. Un peu, mais pas beaucoup. Donc là, ce que je viens d'envoyer, c'est les grenades, les roquettes Helix, tout le monde les appelle comme ça. Et ça fait 120 de dégâts. Ouais, voilà, c'est ça qui fait 120 de dégâts. Donc, ensuite, pour la dernière compétence, c'est le soin. Le soin personnel. T'as un soin personnel et tu peux aussi soigner les ailes. Donc, quand tu perds de la vie, tu poses ce soin. Et ça te régène à peu près toute ta vie. Donc, voilà, mais il faut rester dedans. Si vous restez pas dedans, je pense que bon, ça. Putain. Je vous montre pas son ultime, je suis bête. Son ultime, c'est un peu comme celui de McCree, c'est une visée auto. Vous allez voir. Non, il est parti. Et attention, attention, quand il va revenir. Oh! Et voilà. On va passer au héros suivant. Sombra. Sombra, elle est compliquée à présenter. J'ai peur. Bon, en fait, Voilà, donc Sombra, elle a 60 balles dans son chargeur, ça fait plutôt mal. Elle a la première capacité qui permet de se mettre invisible, donc là vous êtes invisible aux joueurs, devant tous les joueurs. Deuxième capacité, c'est une espèce de translocateur. Donc vous le posez là, hop, vous y êtes. En fait, c'est comme le TP de Chopper, Faucheur plutôt, désolé. Donc elle peut pirater un pack de soins. Attends, je vais attendre qu'il fasse beaucoup de dégâts. J'ai perdu un pot de vie, j'ai perdu 7 PV, attention ça c'est du lourd, j'ai perdu 8 PV plutôt. Et vous voyez en fait quand tu pirates les paquets de soins, c'est que quand tu pirates le pack de soins, bah il va plus vite hein, en temps de rechargement. Genre là c'est un gros pack de soins, il va hyper vite. Alors que c'est un petit à la base. C'est un gros à la base et c'est long. Donc voilà, on peut pirater aussi des joueurs, enfin tous les joueurs. Et quand tu pirates les joueurs, en fait, leur capacité bah, ne marche plus. Ils ont plus de capacité, en fait. Et sans les petits, j'ai oublié de vous le présenter. J'en ai marre. Donc, en fait, son ulti, en fait, c'est comme le piratage que je viens de vous montrer.
Et sauf que c'est une portée, mais de ouf. Et là, tu vois, tout le monde est piraté, tout le monde est autour. Donc c'est bien sur les points, sur des trucs comme ça, en fait. Héros suivant. Tresseur. Tresseur, c'est un héros beaucoup apprécié aussi. Hein. Donc, elle a des dashs, voilà, comme ça, qui se rechargent toutes les 3... 3-4 secondes. Hop, hop, hop. Et elle peut revenir dans le temps. Voilà. Et c'est bien quand ça t'enlève des situations un peu reloues. Ça, vraiment. Voilà, donc son ulti, c'est une énorme bombe. Je vais attendre qu'ils respawnent tous et je vais essayer de faire une toplette, mais... Attends, respawn. Voilà, voilà pour Tresseur. Merde, je suis revenu dans le temps. Réflexe. Voilà pour Tresseur. On va passer au héros défensif. Bastion, désolé, il va y avoir de la guitare. Bastion, héros adoré mais détesté. C'est comme Symmetra. Tellement qu'il est relou contre toi en défense. C'est encore. En fait, il tire comme ça. Tout simplement. Et il peut se mettre en mode tourelle. Et là, mais c'est abusé. Je vous dis, c'est abusé. C'est trop cheaté. Je peux rester carrément appuyé, hein, ils vont mourir, vous inquiétez pas. Bon après c'est pas un gameplay intéressant parce que franchement. Donc Bastion parce que en fait le mode tourelle c'est une capacité. J'adore faire ça avec Bastion, je sais pas, rester appuyé c'est drôle. Non merde, j'ai fait mon ultime dans le vide. Si oh je suis ici. Vous l'aurez compris, en fait c'est un espèce de tank qui fait beaucoup de dégâts. J'ai fait 4 victimes au calme. Et l'autre capacité du coup c'est se soigner. En fait moi je l'aime bien parce que... Le mec il fait 4 kills, tu vois, il aime bien parce que... Non franchement Bastion vraiment en fait c'est un héros que j'aime bien. Mais il est relou, vous savez vraiment, il est très relou. Chacal, c'est le taré de la bande, hein. Le taré de... Le taré, tout simplement. Donc là, tu vois, je vais me lancer une bombe. Et du coup, donc en fait, il en lance grenade. Mais pas comme Pharah, c'est un lance-roquette, c'est un lance-grenade. Donc il y a un petit timer avant que ça explose, tu vois. Voilà. Ça fait des dégâts de zone. Ça fait beaucoup de dégâts. Et il y a un piège aussi. Le piège en fait c'est genre, tu vois, t'attends qu'il y ait des mecs, genre tu vois, genre aux entrées du point tu le mets là et hop le mec il est dans le piège. Et souvent tu mets des bombes à côté et il se boum et tu les tues. Voilà. Chacal c'est un héros que j'aime bien. Mais oui mais ça va, il me reste genre 10 minutes parce qu'il me reste des héros à présenter. Oui je sais. Donc son ultime son ça va péter boum, c'est en gros dégâts de zone, une énorme bombe et ça fait beaucoup de dégâts. Héros suivant, héros mon troisième héros préféré, je l'adore ce héros, c'est bon vous le savez hein. Oula c'est quoi cette visée périmée, ouais, je l'aurais mis. Oui, désolé, je parle pas, j'adore m'amuser. bon, on va peut-être passer aux capacités, qui est le grappin, qui permet de faire des jump shots et avoir son mignon, comme ça, celui-là. Oh oui, c'est beau. Et la mine venimeuse. Et ça fait des dégâts, voilà. Attends, ça tue pas. Attends, t'es bugué là.
Et le jump shot, attention. Oh! Voilà. Et son équipe, c'est capacité, invasion, et on voit tous les ennemis. Et c'est pour toute l'équipe. Non, t'es John Lennon. Et aussi, quand tu vises pas, ça fait une mitraillette. Attention. Oh non. Attends, si j'arrive à en mettre un d'ici, quand même. Merde. Ok, salut. Héros suivant. Hanzo, un héros que j'adore aussi. En fait, c'est comme Fatal, sauf que tu vises pas. C'est des flèches aussi. Et dès que tu tires dans la tête, ça tue. Attention. Headshot! Headshot! Ah non. Si j'arrive à le... Ouh, le réflexe! Première capacité, désolé. Les 1000 flèches, donc quand tu tires au pied, en fait ça fait plein de flèches partout, vous voyez. Et dès que tu tires au pied du mec, bah, ça le tue, un DPS surtout. À 150 PV ou 250. Donc là, tu vois, c'est un héros, c'est un robot à 200 PV et du coup, ça l'a pas tué. Je comprends pas pourquoi, mais ça tue. Je vais vous montrer une petite tactique pour faire 4 kills avec son ult sur cette map. Attention, on va attendre qu'ils respawnent tous. Ah oui, et deuxième capacité, infrasion. En fait, c'est on voit à travers les murs, comme Fatal. Sauf que ça dure pas longtemps. Non, il s'est fait tuer. Bon, tant pis, ça fera une triplette. Voilà, donc son ulti, c'est un dragon. Et dès que tu le transperces, bah, tu le tues. Oh, j'ai tué. Le dégâle. Olé. Oh. Et re-suivant. Mais... Mais en fait, elle envoie des piques à glace et elle peut geler des gens. Merde. Désolé. Tu peux jouer moins fort en fait, s'il te plaît. Donc en fait, elle peut se mettre en glaçon pour récupérer de la vie. Et elle peut mettre un mur comme ça. Je l'aime pas, donc je préfère passer vite sur héros. Ouh, le décal. Oh, et son ulti, bah ça gèle tout le monde. Attends, parce que je vous ai pas montré. Quand tu gèles une personne, et bah après, bah t'as plus qu'à lui tirer dans la tête et c'est fini pour lui. Oh, et attends, je vais réussir à geler les trois, là. Ouais. Et une triplette. Bon, écoutez, voilà. On a fini de se présenter ce héros. Tant bien, j'adore ce héros. Non, par contre, tu joues moins fort là, Lucas. Ça va pas être tes ailes que tu sais pas jouer de la guitare. Donc, Ouh, le kill. Donc, en fait, Torbjorn, il a un marteau. Il peut poser une tourelle. Désolé pour la guitare, ça va être horrible, mais il sait pas en jouer. Donc, en fait, il pose une tourelle. Il peut l'améliorer au niveau 2. Et voilà. Et j'adore tuer des gens au marteau. Regarde, la tourelle, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Non, mais joue moins fort, dis-lui de jouer moins fort. Déjà que tu sais pas jouer. Chopper qui a été nerf il y a pas longtemps, du coup il tire hyper fort. Donc voilà, donc il a un grappe qui ramène les gens juste en face de lui. Je l'ai raté. Chopper, je joue plus. En fait, maintenant c'est Diva que je joue. Donc. Oh, je savais pas que c'était possible de faire ça dans Overwatch. Tu viens à toi, boum. Comment ça, ça l'a tué? Mon ancien main, il m'a fait monter au palier. Mon mignon. Mais... Merde. Et du coup, son ulti, c'est un écarisseur et ça fait très très mal. C'est trop fort. Baisse le son, putain.
Ouh. Et voilà pour Chopper. Donc il passe heal aussi, mais voilà. Diva. Diva. Donc Diva, c'est un peu comme une enfant. Elle est en dehors de son méga. Donc là, elle est dans un robot qui s'appelle le méga. Et oh, je l'ai tué avec mon boost. Attention au niveau. Elle a une matrice. En fait, ça, c'est un boost. Et ça, c'est une matrice. En fait, ça. En fait, c'est comme un bouclier. En fait, ça protège. En fait, voilà. Et son ulti, c'est une sorte de grosse bombe. Joue moins fort. Désolé. Sacha, t'as pas pris trop de mon chargeur de téléphone. Non, c'est pas le tien, non. Tais-toi. Chou, dis-lui de jouer moins fort, c'est horrible là-bas. J'arrive pas à lui dire. C'est fort là. Oui, c'est fort. C'est l'oreille bouchée. Bon, sors pas les couilles, putain. C'est ta gueule, toi. On te dit rien quand tu hurles dans ton casque. Je m'en bats les couilles de toi. Et voilà, c'est comme ça en dehors du méca. Et donc là, elle rappelle son méca. Et re-suivant. Orisa, héros que pas apprécié beaucoup. Mais tant pis. Oh. S'il y a des héros comme ça dans le jeu. Bah, en fait, c'est surtout qu'en fait, les gens, ils étaient déçus à la sortie. Mais après, il faut des héros comme ça, il ne faut pas tout le temps des héros. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un héros qui s'appelle Doomfist qui va sortir. Et du coup, je vous en dis pas plus, ça va être très très bien. Oui, oui, c'est la fin, là, c'est la fin des héros. Donc là, elle a un bouclier, ça permet d'aller dans le vide. Héros suivant, désolé, mais je dois me presser. Reinhardt, il a un bouclier, il peut charger. Il donne des gros coups de marteau. Il a une frappe de feu. Joue moins fort, je te l'ai déjà dit. Il a une frappe de feu. Et il a un bouclier aussi, mais ça je vous l'ai déjà montré. Et zoaz, boum. Donc il a un ulti, ça s'appelle le marteau pilon, ça couche tout le monde. C'est vachement bien. Donc. Alors, ulti. Vous voyez, là j'en ai couché un. Je sais pas pourquoi ça n'a pas couché trois là-bas. Mais je l'ai couché et c'est le principal. Oui. Winston. C'est un singe. Il ressemble à ça. Il y a une map qui a été attribuée à lui, c'est Colonie Lunaire Horizon. Et du coup, ça fait beaucoup de dégâts au DPS autant que ça fait rien. Donc il a un saut, comme ça. Et il peut mettre une bulle de bouclier. Et son ulti, c'est quand il est en rage extrême. Et ça fait beaucoup de dégâts. Enfin, que quand tu les pousses dans le vide, quoi. Mais je pense que là-bas il y a moyen de faire mon truc. En mode vu où je me réfugie parce que j'ai plus de vie. Je me suis fait heal par la ange. Ange, on verra ce héros juste tout de suite après. Hop. Donc après on le tue lui parce que je l'aime pas. Désolé pour la guitare, mais c'est pas un jouet. Ulti. Donc là il est en rage extrême. Je peux faire mon emote en rage extrême, j'avais jamais marqué ça. Allez, sortez. Allez, et tu vois, je peux pousser les mecs dans le vide, et ça, c'est bien. Je vais essayer de... Non, tant pis. Je dois presser, désolé. Héros suivant. On va passer au heal, parce que je vais pas vous présenter Zarya, en fait. Héros suivant. Anna, c'est mon main, je l'adore. Donc, en fait, elle peut tirer comme ça, et c'est un heal. Et voilà, et elle peut endormir les gens comme ça. Et hop, elle envoie sa grenade et hop, hop, et suit. Donc, j'adore ce héros. Il ressemble à ça. Et voilà, et les grenades, tu peux les lancer hyper loin, ça a une portée de ouf. Et son ulti, c'est un nano boost. Donc, je vais le charger vite là parce que je dois vite arrêter.
Oh, son arme est contre. Allez. Et là, hop, tu l'occupes. Et boum. Généralement, vous vous occupez pas quand vous dormez des tanks, vous appelez votre team. Parce que, voilà. Donc, son ulti, c'est un énorme nano boost. Donc, c'est de la dopamine, ouais, j'appelle ça. Et bim, attends, on va attendre qu'ils tirent. Et dès qu'ils vont tirer, tu vas voir, ça va faire un masse de dégâts. Parce que c'est hyper fort, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu son minion il y a pas longtemps. Tirer. Il tire quand, là, en fait? Bon, voilà, et il ressemble à ça. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et faut le heal. Hein. Et c'est génial. Et re-suivant. Ange, c'est un heal, il ressemble à ça. J'ai la danse en plus. Ah non, ça c'est pas la danse, mais je l'ai. Donc là, je vais utiliser mon petit pistolet, mais jamais à utiliser. Hein. Franchement, faut surtout utiliser. Enfin, que quand vous êtes tout seul contre quelqu'un, essayez de vous défendre. Mais surtout, faut utiliser son heal ou son boost de dégâts. Son boost de dégâts, c'est bien pour un bastion en défense. C'est très bien. Boum! Son petit pistolet fait masse dégâts. Hein. C'est. Et en fait, c'est une résurrection. Donc je vais attendre qu'il meure. Ça va être long. Mourir. Ça va être long pendant ce temps-là, on va les tuer. Non, on va tuer d'autres gens. Ah, voilà, il est mort. Et il est plus mort. Voilà. Héros suivant. Et en fait, elles peuvent voler à ses alliés. Genre, par exemple, lui, c'est mon allié. Voilà. Héros suivant. Désolé si je me presse, mais là, je dois vraiment vite arrêter. Donc. Héros suivant. Lucio. Donc, c'est il reste là. Il a le style, Lucio. Donc, il a un boost de vitesse. Il peut tuer des gens comme ça. Il a un bump. Donc, nous, on appelle ça un bump, en fait. Tout le monde appelle ça comme ça. En fait, ça pousse les gens dans le vide. Et ça, c'est un heal. Et voilà. Je pense que je vous ai tout montré de Lucio. À part son ult, mais j'ai pas le temps. Symmetra. Elle, c'est aéro bien. Et B, mais détesté en même temps, tu vois. Oh, putain. Attends, ça fait combien de... Ça enlève combien de vie, en fait, ça? Ah, ça fait hyper mal. Donc en fait, Symmetra s'envoie des trucs comme ça, ça fait des trucs comme ça, ça c'est cool. Elle pose des tourelles, voilà, comme ça. Et là en fait, comme ça va les tuer et qu'ils tueront jamais plus de tourelles, je préfère parce qu'il a jusqu'à 30 heures. Mon ulti, elle a soit un tacle, soit un bouclier. Et on va mettre le TP, regardez. Hop, le TP, donc là j'ai bien un téléporteur et c'est pour toute l'équipe et t'as 6 places dans le TP. D'accord, donc ça m'a fait revenir, ça me casse les couilles là parce que j'étais en train de faire ma présentation. Et re-suivant, désolé, mais là j'ai pas le temps, je dois. Symmetra, bah c'est le dernier héros, je crois. Donc je vais quand même me présenter. Non, il reste Zenyatta. Zenyatta, un héros que j'aime bien, franchement. Et vous abattez les couilles, à mon avis. Donc voilà, il ressemble à ça. Il peut mettre des orbes du Discord qui fait deux fois plus de dégâts en fait. Et ça fait masse de dégâts, Zenyatta. Pré-shot. La sérénité s'offre à vous. Et donc voilà son ulti en fait, c'est ça. Son ulti en fait, c'est ça et et du coup, en fait, son ulti, c'est ça, et ça fait masse dégâts. Voilà. Et ça, c'est une orbe pour soigner les gens. Écoutez, désolé si je finis très rapidement sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous adorez. Si
plutôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, mettez votre PSN et lâchez un pouce bleu.